Ok! Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour un nouveau stream, une nouvelle session sur Call of Duty Modern Warfare. Et aujourd'hui, la saison 3 est arrivée, qui veut dire, nouveau pass de combat. Alors j'ai déjà fait une petite vidéo pour présenter le pass de combat, et dans ce pass de combat, nous avons donc deux nouvelles armes, un petit pistolet, le Renetic, on va les tester et jouer dès maintenant, et également, on a un nouveau fusil tactique qui est le SKS, que j'ai pas encore débloqué. Vas-y. On utilise ça direct comme ça, on va pas perdre de temps, on va débloquer le SKS assez rapidement aussi. Voilà, impeccable. Impeccable. Impeccable! Lancer un hardcore, ça sera mieux pour monter le petit gun. C'est un bug, les stats du Renetti? On a les mêmes que le 357. Ouais, j'ai vu ça, la puissance est même que 357, je trouve que c'est un bug. Non, je pense que c'est un bug. D'accord. Par contre, en hardcore ça valait bien. Normalement, en hardcore ça valait bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer avec ce gun en hardcore là, du coup. D'accord, ok. Ouais, forcément, avec le bouclier, ça fait plus de sens, ouais. Mais what? Attends, t'es sérieux que j'ai fait hitmarker? C'est quoi cette grosse merde, là? Ouais, c'est vraiment un bug, je pense, le coup des stats, hein. Je me fais défoncer le cul, c'est sympa. Bon après, c'est... On est là pour... C'est la partie de chauffe, hein. Oh, vas-y, mais c'est de la merde! C'est de la merde! Ah mais bon, le but, ça va être d'arriver au... De débloquer le SKS pour jouer avec le SKS, quoi. Corps à corps, là, on va mettre le bouclier, ça ira mieux. Bon, allez, on y va! Bon, on y va avec le petit gun, parce que c'est le nouveau pistolet. Et comme ça, bah, je dirais pas qu'on va le monter en or, mais on va au moins monter et jouer un peu avec et voir ce que ça donne. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Putain. Va falloir s'entraîner un peu, hein. Ouais, ça va tourner. Ok. Le bruit par contre est vraiment bon. Franchement, le. Oh putain, la collate qu'on s'est mangé. La collate au SKS. Ouais, tu m'étonnes, les mecs ils vont monter la SKS en hardcore aussi. Hein. On voit que ça fait du sens. Oh, dommage. Voilà, on commence à prendre le coup de main, là. Oh, le salaud. Ah, mais merde, je mets mon drone alors qu'il y a le drone de rouillage. Je suis trop con, moi. Bon, de toute façon, il était fini. Ouais. Oh, dommage. Et tu vois qu'il est quand même moins puissant que les autres pistolets, parce que de mémoire les autres pistolets ça one shot en hardcore sans problème. Là plein de fois il faut quand même mettre 2 balles hein. En termes de puissance c'est pas la folie. Après il a 15 balles dans le chargeur, donc je pense que c'est pour ça. Ah, je l'ai vu en plus au dernier moment. Quel salaud. Mais bon, après une fois que j'aurai les bons accessoires. C'est pareil, après l'arme elle a 0 accessoire, donc peut-être qu'avec les bons, un petit canon long et tout, ça va le faire. Putain, mais gars, mais regarde comment... Eh, c'est des crapauds, des cafards, des merdes. Dommage. Bien vu, bien vu, bien vu. Bon, j'ai vu que Warzone, bon, y a rien à changer. Après, y a le mode squad et puis enfin y a des nouvelles maps, enfin des nouvelles armes sur le sol. Ils ont amélioré un petit peu le loot au sol. Dommage. Ah.
Le shoot, c'était pas ça. Mais c'est pas grave, c'est la première game. On va débloquer les accessoires dessus, puis après, ça ira un peu mieux. Ah, merde. Oh, mais gars, mais putain, mais achète-toi une live, gros bouffon, va. Les gars, ils restent dans leur camp, ils bougent pas, c'est vraiment des merdes. Mais heureusement que je joue en hardcore, parce que franchement, en mode normal, tu sens que le gun... Moi, au début, je me suis trompé pour les stats, j'ai dit, ouais, vas-y, c'est aussi puissant que le 357, mec, c'est de la folie. En fait, non, c'est pas vrai. Dommage. C'est dommage qu'il manque de puissance le truc. Parce que franchement, il tuerait en une balle, ça serait bon. Mais bon, avec les accessoires, après, ça va le faire. J'ai été beaucoup plus hype par cette saison que les deux autres. L'effet nouvelle map multiple. Bah, 3 maps, c'est bien quand même. Bon, bah écoute, on a fait déjà une game avec quelques kills, on a débloqué des accessoires, c'est bien, on va voir ça. C'est parti! Allons tester un petit peu la SKS. Nouvelle arme, nouveau fusil tactique de Modern Warfare. Et voyons voir si c'est bien ou pas. Et en tout cas, débloquer les accessoires dessus. En tout cas, ça va être une chose à faire. Puisqu'on sait très bien qu'une arme avec et sans accessoires, c'est un petit peu différent. Bon, écoute. Ah, attends, il y a 20 balles dans le chargeur. Ah, on va écouter. Ouais. Ouh, attends. Il y a un gars là. Il en reste. Ah, je sais pas où il est. Bref. On va essayer de choper le spawn. Bon, elle est quand même encore un peu grande cette map. Hein. Franchement. Bah, après en QG peut-être. Vas-y, on va voir. Ok, 2 balles. 2 balles pour buter le gars. Bon, ça a l'air stable. Après, le but, c'est de voir à peu près... voir si on peut tuer en une balle dans la tête, ça serait cool. J'espère que oui. Bon, c'est pas trop le style d'arme que j'ai l'habitude d'utiliser, mais bon. Merde. Bon, c'est un DMR, quoi, hein. C'est un DMR. Bon, c'est pas le BR, non, c'est pas le BR non plus. C'est un DMR, c'est pas... C'est un DMR que c'est le BR. Putain. Après, faut voir, hein, ça se trouve, il y aura des accessoires dessus qui seront cool et qui vont changer la dynamique de l'arme. Hein. Va savoir. Je suis pas convaincu, mais. Va savoir. Putain. Bon, je suis pas très fan pour l'instant, mais bon. On va se la monter quand même. Hein. Il a volé son kill, je me suis pas fait humilier, tiens, chè. Ouais, c'est pas ouf, hein. Enfin, c'est vraiment pas le style d'arme que j'aurais aimé avoir, tu vois. J'aurais aimé avoir un fusil à verrou plus puissant et ça aurait été sympa, mais bon. Après, en hardcore, ça va être la folie, hein. Ça, y'a rien à dire. Mais what? Mais attends, mais d'où il sort? D'accord, il était là depuis le début. Ok.
Ça a l'air de one shot dans la tête. Dommage. Ah, le mec il voulait son exécution. Il était resté sur un goût amer tout à l'heure. Merde. Ouais. Bah écoute, hein, j'essaie de me concentrer, mais je sais pas si, fan hein, non plus, hein. Oh, dommage. La triple feed et le quatrième qui n'est pas là. Ah merde, putain, au moment où on a le QG, ah là là. Bon, j'aime bien le style avec le truc sur le côté et tout, ça fait un petit style un petit peu à l'ancienne, mais bon après, le côté DMR, je suis pas fan quoi. Une fois qu'on prend la main, ça va. Avec le coup de main, ça va quoi. Il tape plus fort que la falle. Ah bah bien sûr, c'est un DMR, c'est pas une AR. En deux balles, tu tues. Hein. Une balle dans la tête et deux balles dans le corps. Ça va, grosse merde. Putain, hé, on était en train de perdre quand je suis arrivé. La victoire est à nous. Hein. C'est une balle dans la tête en tout cas, ça c'est sûr. Ok, bah écoute, hé, c'est pas si mal que ça au final. Ah merde, putain, je l'ai pas vu le gars. Franchement, j'aime bien le gameplay que tu fais avec. Et bah écoute, merci. Bah au début, j'avais un peu de mal. Puis finalement, une fois habitué, ça va. Mais elle a moins de recul que le BR, ouais. Non. Je pense qu'elle est mieux, elle est plus intéressante que le BR, clairement. C'est-à-dire, si t'enlèves le BR et que tu mets celle-là, c'est bien. Ouais, on dirait la Gewehr. Et bah voilà, j'arrivais pas à trouver le truc, on dirait la Gewehr. Merci. Merci, effectivement, c'est vrai. Mec, il vient de respawn, il a la killcam. What? C'est l'action de la partie, ça? Ah, mais sans blague! Putain. J'ai fait mieux, quand même. Pas pour me vanter, mais j'ai fait mieux. La SVT, oui, la SVT!
plutôt la SVT. Vrai. Merci, merci. C'est vrai. Bon, allez, on va voir en espérant que ce soit mieux que celle de tout à l'heure. Franchement, cette map, elle est bien, mais fallait s'y attendre. Hein. Ça campe sévère. Ok. Allez, viens! On capture, bravo! Ah. Ouah, j'étais parti quoi! T'es sérieux? Bon, au moins, on fait des petits défis, petits raccroupis, tirs au jugé, etc. Attends, quoi? Comment il est pas mort, les gars? Mais je sais pas. Non. Voilà, on fait des défis. Au moins, au jugé, l'arme est pas ignoble, on va dire. Elle passe bien. Donc, pour les défis de tir au jugé, ça va, quoi. Bon, bah écoute, au moins, on a rempli des défis, des tirs accroupis, des tirs au jugé. Bon, j'essaye d'avancer un petit peu sur les défis en même temps que tout ça. D'accord, c'est moi qui ai la... C'était malaisant. Bon, j'avais fait un petit enchaînement de 3 au jugé qui était un peu mieux, je trouve. Enfin, visée accélérée, ça se prend. Moi, j'aime bien moi, cette lunette de visée en plus. Hein. Je la trouve vraiment cool hein, pour le coup. Pour moi, ça me paraît pas un zoom x7. Hein. Franchement, à limite, un x2 quoi. Un x3, mais ça me paraît absolument pas un x7. Hein. Mais je le trouve cool en tout cas. Et des fois, il y a comme des non-fluidités dans le gameplay, c'est comme si ça tournait pas smooth. Tu vois? Il y a comme des pertes d'image. C'est pas fluide du tout, quoi. C'est pas fluide du tout. Ah, d'accord, ok. Ouais, mon shoot est dégueulasse. Oh non, dommage. Il y avait une double kill et en plus au jugé quoi. Oh,
se wrecked. Il y avait encore du monde, hein. Oh, dommage. Bon, au moins, tir au jugé, je pense que c'est fini. Voilà. Elle est bien, cette map. C'est celle que je préfère, en fait, les trois. Et c'est celle sur laquelle on tombe le moins, quoi. Putain, gros bâtard, il me bute. J'y m'en vais, je vais avoir mon double kill. Dommage. Bien joué. Ah, dommage. Bien joué. Putain. Bien joué. Oh fuck! Je l'ai vu au dernier moment, putain. Putain. Tu sens comment c'est absolument pas fluide, quoi. Il y a des fois, t'as des pertes. Ça compte pour les tirs de loin quand même. Non, mais putain encore. Par contre putain, mais qu'est-ce que c'est pas fluide. Qu'est-ce que c'est pas fluide. Ah, les chutes d'FPS, c'est ignoble. Mais bon, ça c'est pas à nouveau quoi. C'est moi ça.